quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi. Plus un être, un peuple, une civilisation, une nation est humilié, et plus c'est la preuve que sa mission est d'être tout en haut. Yes, I'm on. Balongolo miso, baye nakama bayi bibokoko bilenge babombi boso. Balongolo miso, baye bayi bibabomi bakati maboko batiki bibia. Balongolo miso, toujours menacé. Balongolo miso, toujours les mêmes fléaux. De nos richesses, génération sacrifiée, la jeunesse n'y voit que du noir. Silence médiatique sur la guerre de l'Est, qui perdure depuis plus de 20 ans. Unissons-nous, Badongolo Miso, Botika Kishiche Masisi, Kiseni Ruzizi, Nabunagana, Badongolo Miso, Botika Boutembo, Routchourou, Roubafou, Naroubagana, Badongolo Miso, Baye, Baye. Badongolo miso, baye, baye, beba zebele. Badongolo miso. De la quatrième dimension. Le poème est révolution, un drapeau flamboyant pour la liberté, car enfin le petit peuple vient de se réveiller. Le poème ne sera pas cité parmi les grandes œuvres littéraires, ne sera pas. Sai, One Love, Prosodia Roots, moi c'est Ajinko aussi, Coco Diango. Je suis musicien, je suis artiste musicien, je fais du reggae. Et plus précisément, je fais ce qu'on appelle de la dub poetry. Pour ceux qui ne connaissent pas, la dub poetry, c'est une forme d'expression orale. En fait, si je peux dire deux mots, c'est... cette mixtion entre poésie dub et musique reggae. Voilà. Là, je suis là pour vous parler
de mon maxi single comprenant une intro et trois titres. Le premier titre s'appelle Badongo Lomiso. C'est en rapport avec la guerre de l'Est, avec tout ce qui s'y produit. Et quand on regarde les faits, cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Elle date déjà depuis plus de 15 ans. Et on est toujours dans le même sac. Il y a toujours des embrouilles et la situation ne change pas. Donc le premier titre, Badongo Lomiso, c'est un peu pour combattre un peu tous ces fléaux qui nous sont tombés dessus déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Et il y a trois titres aussi qu'avec le temps vous découvrirez. Ma musique se porte essentiellement sur le développement, le progrès du peuple congolais, le progrès de nous, habitants du Congo, et puis en particulier, en général, on va dire pour les Africains. On remarque qu'on est endoctriné, on a été élevé, endoctriné, avec des influences venant de l'extérieur. Et on remarque aujourd'hui qu'on est un peu perdu dans tout ça. On est perdu et on n'a pas beaucoup de repères. Alors, à travers cette démarche, on essaye de rétablir un peu, de remettre un peu les choses dans l'ordre, d'essayer d'inventer, parce que ce qui est passé est passé, on essaye d'inventer maintenant une nouvelle stratégie, des nouveaux moyens pour qu'on puisse redresser enfin notre pays qui est la République démocratique du Congo.